Ce thème inspire un certain nombre de choses qui sont notamment comment concilier les missions du ministère de l'Agriculture et la préoccupation globale du thème de cette conférence qui est comment préserver ces forêts comme nous l'avons fait hier, aujourd'hui et demain. Pour pouvoir créer la richesse, le Cameroun s'appuie sur l'agriculture. Donc il faut développer l'agriculture, il faut créer les richesses, il faut améliorer la productivité. Parce que 60% de l'agriculture vient des petits producteurs. Il faut leur donner des semences, il faut leur donner des engrais, il faut pouvoir mécaniser notre agriculture, la transformer pour créer la valeur ajoutée. Parce qu'à l'heure actuelle, si nous ne le faisons pas, nécessairement, pour avoir l'objectif voulu, on sera obligé de détruire la forêt pour étendre les superficies. Donc, il s'agit d'un débat très important et je pense que l'option qu'a prise le gouvernement d'augmenter la productivité, que ce soit au niveau des petits producteurs, que ce soit au niveau des agro-industries, est la meilleure option possible. Mais maintenant, concernant les agro-industries, nous tenons à ce que chaque agro-industrie qui s'installe puisse développer autour d'elle les petites plantations villageoises, modernes également, sur lesquelles elle devra s'appuyer pour pouvoir transformer la production au niveau de l'agro-industrie. Ça a un double avantage. L'avantage étant qu'on ne détruit pas la forêt parce que les populations environnantes sont sur leurs propres terres. Et le deuxième avantage, c'est qu'on crée des emplois de qualité. On crée des entrepreneurs qui pourront à leur tour créer des emplois et développer notre pays. Je crois que c'est ce cap que nous devons préserver à l'heure actuelle et c'est ce cap qui nous a été donné par le chef de l'État. Le problème de notre agriculture, comme je vous l'ai dit, pour les petits producteurs, c'est la productivité. Oui. Les semences performantes, les engrais, la mécanisation, qui n'est pas seulement les tracteurs, voilà. C'est tous les équipements nécessaires pour pouvoir créer la valeur ajoutée. Ouais. Alors, la typologie de la production à l'heure actuelle, pour ces 60% de producteurs, c'est des petites exploitations, des méthodes archaïques de production, une production dispersée. Alors, ce que nous faisons au ministère de l'Agriculture, c'est les organiser autour des filières et à la fin, constituer des coopératives. Les coopératives permettent d'organiser la production en amont, pouvoir acquérir ses intrants. Parce que quand on est tout petit, on est obligé d'acheter quelques sacs de semences. Alors que quand on est regroupé, on achète des semences en grande quantité, des intrants en grande quantité. On réalise ce qu'on appelle les économies d'échelle. Parce qu'il faut produire, il faut être un business et pouvoir vendre. Il faut produire, pouvoir vendre. Pour pouvoir vendre, il faut être compétitif sur le marché. C'est donc ces éléments de compétitivité. Quand ils sont organisés en coopérative, ils peuvent donc acquérir ce genre d'équipement communautaire, tel que les tracteurs, tels que les magasins de stockage où stocker leur production, mieux commercialiser et pourquoi pas attirer des PME de transformation, parce que quelque part, on aura une production abondante, de qualité, bien conservée, permettant à une PME de venir s'installer, la transformer, créer la valeur ajoutée, créer des emplois en milieu rural. Donc l'option, c'est les coopératives, l'organisation en coopérative pour qu'ils puissent acquérir ce genre d'équipement moderne pour améliorer la productivité. C'est l'un des premiers points de notre plan d'action qui a été approuvé, l'un des premiers points par le chef de l'État, la relance du mouvement coopératif. Et d'ailleurs, la conférence des services centraux extérieur du ministère de l'Agriculture de 2013 avait pour thème principal la relance des coopératives. Parce que nous devons passer absolument par là.